Moun ki gen, mwen ki gen.
Ça va me déranger. Non, ça va me déranger. Non, parce que comment il est? C'est Chéri Bordonia. Chéri, madame Chéri. Tableau vert, ça c'est qui ça le traduit? Tableau ça. Ça c'est un Kafka. Kafka, ok.
C'est 4 mètres ça? Oui. Le Cap-Foua. Ça veut dire, quel que soit ça ou fait, si vous pas adressé Cap-Foua, c'est comme si vous pas fait rien. Même devant bah, on va aller, on suppose adresser à Cap-Foua d'abord, c'est Cap-Foua pour passer à l'entrée, quel que soit ça ou réglé. L'exposition offerte pour Grand Fugit là, je nous sortons là que 4 c'est général Grand Fugit. La grande exposition là. L'exposition ça réalisé par Bureau Organisation Grand Fugit, qui est sur Carola qui est là. C'est Bureau Organisation Grand Fugit. Juste à l'heure. Non, parce que c'est pas bon problème. Dollar, dollar, dollar.
Bonsoir tout le monde, nous comptons pour nous ensemble avec vous dans le cadre de la première sortie en Paris Sport pour ce moment-là. Première sortie notre pour moi novembre, puisque
Jeudi, c'est 1er novembre 2021. Moi-même, Sever Mackinson, après le capable conduire aujourd'hui. Dans le cadre de la première sortie émission ça, en Paris Sport, sous plateforme Fernando Live. Et Dalens, ensemble avec Kenley, à main bouton pour nous. Et nous saluons chaque ami qui est en live là. Nous comptons pour nous capables de rejoindre. Et pour nouvelle sortie ça, nous saluons Sony Eliatus qui n'est pas qu'à présent aujourd'hui. Mais moi-même, c'est vers nous présent pour nous capables de parler football. Le week-end a été chargé avec bel match, notamment en Angleterre. Et après avoir gagné Liverpool qui fait 2 goals pour tout, mais tu as gagné un petit choc. On a un petit choc pour ça parce que et Manchester United a vacillé dans le doute. Mais il a pris gain raison sur Tottenham, 3 goals à 0, et défaite ça, d'après, permettre de pousser do Santo Espírito, coach portugais, à la, pour la petite porte. Voilà. Et Nuno Espírito, encore cet esprit pour les gens qui parlent gros français. Donc, monsieur qui t'apprend, bien sûr, limogé après défaite face avec l'équipe Manchester United. Là, madame, monsieur, ça qui paraît extrêmement compliqué pour Tottenham qui a pas gardé comment lui-même est capable, en quelque sorte, sortir tête. Voilà. Et puis, d'après le gain tout de justesse, la formation parisienne de football dans le pays de la France, et d'après le gain avec un bon Neymar, un bon Paulo Dybala, alors, et pas Dybala, Angel Di Maria, et mais, écoute, Dieu, c'est que Messi d'après le sorti sous blessure, et Messi qui sentit douleur, non. Et puis Eli Messi qui est capable de rater tout face à face face avec la formation brésilienne en football. Et puis l'autre détail qui est à ouais en Espagne, Real Madrid fait une belle victoire 2-1 et face avec Elche. Mais c'est surtout avec un doublé de Vinicius Junior. Vinicius Junior qui a joué sur l'autre nuage. Vinicius Junior qui vraiment malgré absence Karim Benzema, mais l'effort est difficile pour dire Karim Benzema pas la samedi. Hein? Peut-être si Karim Benzema était là tout, il était capable Karim Benzema ou bien Mathieu était capable de finir avec plus de goals. Avec Vinicius Junior qui a joué une autre saison, peut-être c'est capable saison pas Vinicius Junior pour capable faire éclatement ou bien ce qui et on parle de net progression mais Vinicius Junior qui prend responsabilité en tant que un brésilien. Nous connaissons ça veut dire les négatifs les footballeurs c'est brésilien. Nous connaissons ça veut dire très bien le footballeur c'est uruguayen, c'est argentin. Pour c'était que seulement Chili là ne pas qu'à miser trop sur Chili même le Chili te bail et Chilavet et boum boum Zamorano et qui est encore et Sénégal vient plus près Chili te bail des joueurs comme Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel pour c'était que seulement voilà et Vinicius Junior monsieur qui a joué l'autre saison et puis Vinicius Junior montré c'est les mêmes qui, dans le moment, Real Madrid, c'est Vinicius Junior. Et déjà, il y a un gros tollé qu'a fait pour Vinicius Junior, qui a joué notre saison. Mais, m'a encouragé nous tous à regarder Peter. Monsieur, il est Peter Federico. C'est un jeune espagnol. Il a gagné 19 l'année. Il est vraiment. C'est un gaucher. C'est un ailier que lié. Des fois, il jouait milieu terrain parce que le bourré avec dribble ligue en vitesse ligue finition si il était sous même les lancer ça peut-être il est capable de venir un nouveau un gros crack ou bien c'est peut-être une nouvelle et joueur maintenant pour faire connaissance ensemble avec lui dans jeu qui a venir là mais il est très jeune il est 19 ans s'il pas craquer s'il pas confondre vitesse avec précipitation s'il lit vraiment et pas commencer boucher zoreli leur pral vin comparer ensemble avec un tel le comparer ensemble avec un tel donc faut Peter et Federico qui gagne 19 l'année capable
rester loin de toute et en quelque sorte de toute voilà comparaison qu'a bien. En fait, c'est un pile titre ça y a, avec un pile qui va faire essentiel. Première sortie, nous, mais tout demain, et pour gagner quatrième journée, et Ligue des Champions qui est prêt à gagner et pour capable vraiment et qui pourra gagner pour capable jouer et pour et qui pourra gagner pour capable jouer donc voilà madame monsieur l'important je veux dire pour capable venir présenter tout match qui a bien pour jouer c'est prêt pour demain dans la Ligue des Champions tout pour faire le tour de ce championnat majeur européen j'aime bien déjà annoncer nous parler en France comment ça t'est dans le week-end là. La France qui est a joué pour le week-end, mais avec surtout une victoire difficile de Paris Saint-Germain. Et Paris Saint-Germain, un peu le monde a aimé Paris Saint-Germain et qui a crasé le championnat. Un peu le monde souhaitait voir Paris Saint-Germain et qui, côté le passé, lit vraiment et raflé tout titre. Qui gagnait sous dol, mais faut nous tout dit gros déclaration Zlatan Ibrahimovic fait ya. Zlatan Ibrahimovic qui était joué dans Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain était Sirigu, Salvatore, qui était Thiago Motta, le ça Marquinhos était joué comme latéral droit pour Paris Saint-Germain, et David Luiz et Thiago Silva qui est encore qui était Maxwell sur côté gauche là. Paris Saint-Germain qui était gagné, qui a joué dans l'équipe ça, était un pays de bons joueurs. En équipe ça et Cavani dans l'équipe ça mais et en quelque sorte Zlatan fait qu'on est Paris Saint-Germain qui gagne Kounia les plus fort que Paris Saint-Germain li te joue là dedans monsieur vraiment est-ce que monsieur dit guérison on est capable de dire oui et monsieur dit guérison et vraiment li extrêmement difficile et pour l'équipe ça était capable de prendre l'équipe qui est joueuse tout le monde a capacité pour capable permettre à ce que tout le monde joue dans le niveau plus joueur et ben l'équipe ça lit et sujet rapporté titre que l'a gagné tout le monde au blanc des yeux donc monsieur quelque part raison même le équipe tout qui était montré au culte stable dans la défense mais par contre et Salvatore Sirigu te comprendre et des goals et méconnaissable. Donc pour mon bon défense, faut qu'on bon bon milieu de terrain, faut que milieu de terrain capable équilibrer défense ensemble avec attaquant. Eh bien, sinon Victor Valdez, monde pas jamais parler de lui comme un bon goalkeeper mais pas jamais un grand goalkeeper, on clair sur ça. Victor Valdez, c'est un bon goalkeeper mais pas un bon et il pas de jambe deuxième goalkeeper d'Espagne de ce époque parlant c'était troisième goalkeeper tiré mais Valdés tout c'est seulement dans Barcelone où sentir que tu es capable de jouer parce que les yo fin pour ces deux rivières dans Manchester United et c'est sous Balté nous t'es capable de compter sous doué non combien de fois Victor Valdés te font petit coup de jouer dans Manchester United en fait lit extrêmement important, madame, monsieur, et pour nous être capables de venir montrer aujourd'hui comment ça t'est. Et puis la France, j'aime te dire, en France, et ça qui paraît trop douce pour Paris Saint-Germain, puisque Paris Saint-Germain, lui, était dans la difficulté et pour être capable de joindre le chemin filet, malgré et Paris Saint-Germain, lui, t'a déployé tout lui-même dans souci et pour eux. Comment il était capable de jouer une victoire, mais il était capable de perdre. Pardon, il y a un bon élément qui était gagné, qui c'est Lionel Messi, continue qui t'a sorti sous blessure. J'aime bien dire, Paris Saint-Germain bat 2-1. Il t'a joué contre un champion en titre, à savoir Lille. Lille qui, et c'est pas même Lille qui était là, saison passée, hein? Maintenant, est-ce que Yilmaz toujours. Et en équipe ça tu plan eh ben tu plan toujours là mais ce qui m'avait dit non grand chose à dire et Jonathan David t'as pas l'ouvrir ma clan pour l'équipe Lille eh ben et bien sûr t'as pas le gagner
et Marquinhos qui t'a mis des matchs à un goal pour tout et t'a pral gagné Angel Di Maria son passe à donner Neymar qui t'a pral mis des matchs à deux goals à un Neymar qui t'a joué un super match pour équipe et Paris Saint-Germain et Paris Saint-Germain vient joindre t'a pral gagné et Di Maria qui était dans le jour et qui offrit un bel spectacle avec le public et back des personnes ça qui t'apprend permettre et bien Paris Saint-Germain gagner deux goals à un et puis l'autre match qui te paraît intéressant dans cadre et journée ça mais c'est pas bien sûr c'est pas en France mais plutôt c'est dans l'autre championnat à savoir l'Angleterre et Cristiano Ronaldo après avoir fait un raclé 5 goals à 0 contre Liverpool week-end passé en haut et bien week-end ça t'as pas le gagner bien sûr et yo t'as pas le gagner et Tottenham mais c'est pour grand équipe Tottenham yo bat 3 goals à 0 et Edison Cavani t'as pas le buteur Cristiano Ronaldo t'as pas le buteur en deux matchs ça et t'as pas le vraiment et coûté très cher ensemble avec et Nuno Espirito Santo, monsieur qui t'apprend limogé du poste entraîneur d'équipe Tottenham. Ça qui est très 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 difficile et pour l'équipe Tottenham. Si on regarde les positions de Tottenham dans le classement, ça, eh bien, là où on a envie de dire tout, est-ce que Nuno est sorti de prêt pour terminer l'équipe Tottenham ça? Mais l'on regarde tout et Tottenham qui vraiment te montre dans le début du championnat, il te montre que le prêt, il était capable de faire et tout bagaille, il était prêt pour être capable à le garder, qui m'a victoire et pour être capable à le chercher. Le pire, dans la 12e journée, ça s'est mis en parfum défaut, Manchester City perdu 2 goals à 0. Contre qui est-ce? Contre Crystal Palace bat Manchester City avec autant de facilité 2-0. Manchester City a joué avec un carton. Avant Manchester City, on va regarder et Tottenham qui tombe la Kaili. Bien sûr, 3 goals à 0. Tottenham qui perd la Kaili, 3 goals à 0. Alors, pompe le monde, c'est Goloris qui saute pour 3 goals récemment. Et Nuno Santo vini, il prend Eric Dyer, il fait Eric Dyer jouer comme défenseur central, t'es accompagné ensemble avec Christian Romero. Alors, là tout, est-ce que l'équipe ça tout gagne assez de jus ou bien gagne assez de moyens pour capable faire venir tout de bons joueurs? N'a pas rappelé, Emerson Royal, c'est une équipe ça qui a joué, brésilien. Et qui a besoin d'équipe ça, donc il est important et pour équipe ça, bien sûr, capable de permettre avec et fanatique Tottenham, capable de regagner confiance sur gagner d'équipe Tottenham. Avant hier, tu as pris le gain en 3-5-2 qui t'a joué bon côté la formation et la formation mancunienne. Eh bien, avec Cristiano en pointe, ensemble avec Edison Cavani, dommage, qui d'abord sorti sous blessure, mais monsieur était vraiment avant hier, avec Lucho, Fred, et Scott McTominay, Bruno Fernandes, et Van Bissaka, et c'est mon sorti en deux terrain, Maguire, Raphaël Varane, Victor Lindelöf, et puis, c'était composante de défense. Cristiano Tapral Buteur, ensemble avec Edison Cavani, Jean Noudian, et puis Marcus Rashford Tapral entré en coup de jeu à la place de Cristiano Ronaldo Tapral inscrit. Troisième goal. En fait, c'est important, le ou fait bien du 3 et 5-0 ou bat 3-0, ah ben, ça qui commence à faire oublier ça qui est passé. Hein? Mais Chelsea, qui c'est une des meilleures équipes tout qui gagne en Angleterre, Chelsea te bat pendant le week-end, et c'est Chelsea qui a dominé le classement ça, et c'est une meilleure effectif qui gagne dans le moment où on parle, c'est l'équipe Chelsea. Liverpool,
fait 2-2, mais malgré ça, il est deuxième dans la 10e journée ça, avec 22 points. Manchester City gagne 20 points. Même avec West Ham United qui a fait un bon début de saison, qui est venu en 4e position. Manchester United 5e, et ça qui est important. Arsenal qui 6e, qui commençait à reprendre forme. Beaucoup de Tottenham, non, Tottenham 9e. Ça est important. Donc, et en fait, Manchester City, j'aime te dire, et qui vraiment pas fait victoire pendant le week-end. Et s'il te fait victoire, il t'a passé avec 23 points. Il t'a automatiquement deuxième dans deux équipes, Chelsea qui gagne 25 points. Chelsea, j'en nous te dit, depuis le début, c'est le meilleur effectif qui gagne en Angleterre. Poste, il y a des postes qui doublent. Gen poste qui triplé. Est-ce qu'on est capable allemand et ceci et monsieur plus en confiance m'a parlé de Thomas Tuchel et qui joue une formule et pour capable jouer faire jouer Blousio et Blousio il y a une formule et à chaque match il y a battre pour sortir avec 3 points. Si 3 points est difficile, ah ben il est venu avec un grand point qui est extrêmement important pour l'équipe Chelsea. On a quitté l'Angleterre, on a regardé comment ça était tout en Espagne. Mais Barcelone n'a pas fait victoire tout. Barcelone fait match nul. Et Guillaume qui était pensé pour un tap tout vini, il a tout changé de mais non. L'équipe a toujours gagné crise. La crise est toujours là, il est toujours là. Donc, monsieur qui est venu, n'a pas souvent touché comme coach et pas intérim. Mais pour premier match, il est rentré dans la caille avec un point. Et c'est pas ça, Blaugrana a besoin. Il a besoin de victoire, il a grand goût de victoire, et il a soif de victoire, il a envie de manger de victoire, et c'est ça qu'il a besoin. En tout cas, les Bal gagnent un autre bel test dans la Ligue des Champions là, et face avec Dynamo Kiev. Donc, question 1, est-ce que M. Pral est capable de permettre de faire oublier le week-end là, et mettre tout Barcelone pour prendre un goal, tête chargée un goal, et magnifique avec un super percé et puis on passe dans un mouchoir avec un geste de classe qui t'appelle Vini et Ter Stegen, et bien éliminer Ter Stegen et puis jouer un camp et bien attaquant monsieur t'appelle et c'est battre monsieur qui t'appelle bien profiter et qui t'appelle permettre ce que et monsieur mette maintenant à un goal pour tout et là et jusqu'à ce que match a fini. Barcelone pas de café mieux que rentrer la Cali avec un goal pour tout le monde. Donc ça qui te paraît, madame monsieur, un petit peu un petit genre est difficile pour les Catalans. En fait, Real Madrid, Elche, et c'était un samedi. Ah ben ça qui t'est passé, Kiko Casilla qui t'a joué contre ancienne équipe, à savoir le Real Madrid, si Mbappé avec l'équipe Sam se prend soit deux Ligues des Champions et comme deuxième gardien dans Dokeiro Navas. Et puis Ariel Pastore et un d'équipe Elche 1 mettent pas de café mieux avec un bon Vinicius Junior qui t'apprend à le permettre à ben Real Madrid battre 2-1. Et Rodrigo Goesch t'apprend à sortir sous blessure. Et puis Eder Militao, vraiment, monsieur a montré Ligue 1 classe, Ligue 1 assez et de Grinta disent les Italiens et pour il est capable à ben un bon arrière central monde pour faire connaissance ensemble avec lui là. Donc alors Père David Alaba plus et des militaires hein, il commence à porter fuir et mon ouais dirigeant Real Madrid yo à fond propagande pour et Rudiger, ma petite dit tête, est-ce que Real Madrid pour aller rentrer dans la logique, jouer en défense à 3, ça me pas connaît, mais et une promotion sérieuse tout à fait pour défense à 3, est-ce que Real Madrid pour aller rentrer dans une logique défense à 3, ça, et pour un peu de monde qui peut paraître intéressant, mais ça qui est important, c'est que Real Madrid, eh bien, souhaiter gagner ou diguer dans l'effectif, ça, nous, à parler en là.
Mais jusqu'à maintenant, Eden Militao, David Alaba, eh bien, Joe ça pas de printemps pour yo t'es capable associer yo et puis capable bail résultat ça yo commencé bail là. Voilà, madame, monsieur, Marcelo, c'était capitaine Matchin. C'est pour la première fois et t'as pas gagné Luka Modric, t'as pas le poté brassa capitana dans match LTA après sorti Marcelo. Eh bien, raison hein, parce que et Karim Benzema patna pour te poté brassa et troisième nan moun ki pou ki gen droit pou te grâce à ça il parle que n'a pas de là du Nacho Fernandez Nacho patlan ben nan nan ka ça c'est Luka Modric qui te pote brassa capitana après sorti Marcelo Junior. Voilà Real Madrid qui et comment ça fait que moun sou est content. Eh bien, comment ça y est dans le classement? Real Sociedad, c'est plus beau équipe qui gagne. Real Sociedad, t'as connaît yon 11e victoire. Eh bien, ils ont dit yon 11e match sans défaite. Et ça qui paraît intéressant pour Real Sociedad, eh bien, qui toujours leader, mais avec un point. En plus, Real Madrid qui deuxième là qui gagne 24 points, mais tout. Real Madrid y a un match en moins qui paraît extrêmement intéressant. AT Madrid gagne un match en moins tout, mais qui finit en quatrième position avec 22 points. FC Séville gagne même petit point avec Real Madrid. Betis qui a fait un bon début. Betis finit en cinquième position avec 12, avec 20 points. Barcelone 9e. Barcelone 9e. Barcelone 9e avec 16 points après et 11 jours de jouer. Barcelone gagne et mène un match en moins. Barcelone gagne 16 points et un match en moins. Voilà. Et c'est comme ça été dans le pays l'Espagne. Et puisque là, monsieur Pavli, eh bien, a quitté sa passe comme ça. On a regardé comment ça a été dans le pays l'Italie. Dans le pays d'Italie qui t'a connu, et eux-mêmes, et bien sûr, 11e journée, hein, avec 11e journée, ça, Milan, alors Juventus Turin t'a pris le BC Pavillon contre la Vérone, et Inter bat Udinese 2 goals à 1, et c'est un bon début, et gagné, et monsieur qui a fait là, n'a pas de là, 2-2, et comme monsieur encore, un bon début. Et Edin Dzeko a fait un moment nous en parlons là. Et si n'a pas comparé le début Edin Dzeko, les Monsieur Tenor AS Roma ensemble avec l'Elvin équipe Inter Milan, on a point c'est la nuit ensemble avec la journée puisque Monsieur les mêmes bien et comporté et avec un vinyle en équipe ça. Donc c'est dans le fond tu regardes des chiffres bien rapides. Zeko lui-même, l'élite en des saisons 2020, alors 2020-2021 avec AS Roma, il se fait 27 matchs, il fait 7 goals, il a pour 21-22, ça veut dire saison 2021-2022, il se fait 11 matchs, il fait et 7 goals là-dedans, monsieur Cap connaît, il a un bon début. Même avec Vinicius Junior. Et puis l'autre information que nous sommes capables de partager, Neymar après. Et Neymar, qui est venu perdu dans vitesse, qui était gagné. Eh bien, Neymar, qui s'est attaqué brésilien, qui perdu dans vitesse, depuis après 100 matchs, ni avec Real, avec Paris Saint-Germain. Eh bien, avant et janvier, à 22 janvier 2021, monsieur a fait 100 matchs, il fait 81 et 81 goals, et il était bail 46 passes décisives, eh bien, après 22 janvier 2021, il se fait 24 matchs, il fait 7 goals, il bat 7 passes décisives. Donc, c'est pas un gros Neymar Junior, nous a fait face, mais son petit Neymar qui apprend comment lui-même est capable de gérer, eh bien, et ça pour le gameplay. Eh bien, l'autre information, nous sommes à gagner avec la Ligue des Champions pour nous finir, puisque nous disons c'est vraiment Lyon. Et on parle de sport tout à fait spécial.
et yon on parle sport tout à fait spécial. La Ligue des Champions, c'est prêt pour demain et si Dieu veut. La Ligue des Champions, eh bien, nous allons parler là et prêt à gagner. Et alors demain, et prêt à gagner plusieurs matchs qu'a gagné pour faire dans sa gare avec la Ligue des Champions à 3h. Et prêt à gagner Bayern Munich qu'a gagné pour jouer contre Benfica Lisbonne et puis Dynamo Kiev. A bien joué ensemble avec Barcelone qui gagne un léger avantage sur Dynamo. Et puis, quel autre match qui pourrait paraître intéressant? Pour bien Juventus qui a bien joué contre Zenit Saint-Pétersbourg, c'est pour toujours pour demain. Et puis, en mercredi, pour gagner l'autre bel match. Voilà, madame, monsieur, pour gagner l'autre bel match en Sakagawa avec la Ligue des Champions. Pour une filinette, et gagner Frenzy Pierrot avec un avant-guerre international haïtien qui a connu un bon début. Monsieur qui déjà inscrit pendant deux week-ends, trois goals, une passe décisive. Et ce qui nous traîne vraiment en forme. Et puis, pour côté mesdames, eh ben, information 1, il parle qui est d'ailleurs. Merci. Du Mornay, un peu le monde connaît son nom, Coventina, c'est un joueur au père, son joueur. Alors, son joueuse, moi, je ne peux pas le comparer avec personne. Pied gauche, pied droite, extraordinaire, même fantastique. Il a gagné un bon pied pour capable de shooter coup franc. Et puis, c'est son joueuse qui est capable de jouer comme second attaquante. Son joueuse qui est capable de permettre de jouer d'aller plus rapide et qui joue comme un véritable 10. Ok? Machi Dayel, en fait, pas gagné comparaison. C'est vrai, je grand peu de respect pour et pour Néglia mon désir, mais n'a pas parlé de Dayel Merci du monde, une bonne joueuse qui gagne dans moment là et qui est très en forme. Donc c'est sévère Markinson, c'est sur notre satou, n'a pas merci pour fidélité ou ensemble avec un balai sport surtout sur plateforme Fernando Live là. Connaissez-vous on se voit pour demain, mais ensemble avec Kennedy. Et puis, Darlene, ce qui t'a mis un bouton pour nous, nous saluons Sony qui va présent, mais certainement demain, Nap Gain Josa qui vous présente au deuxième sortie nous, pour semaine là et pour moi, novembre. Bonjour, bonsoir, Nap Croise demain. Yeah.
Thank you.
Je vais vous montrer la monnaie valeur.
Ça va me déranger. Non, ça va me déranger. Non, parce que comment on est? C'est Chéri Bordonia. Chéri, madame Chéri. Tableau vert, ça, c'est qui ça le traduit? Tableau ça. Ça, c'est un Kafouka. Kafouka, ok. C'est quatre mots de ça? Oui. Le Kafoua. Ça veut dire, quel que soit ça, on fait, si on va adresser Kafou, c'est comme si on va faire rien. Devant bas on va aller on suppose adresser un Kafou d'abord c'est Kafou pour passer à l'entrée quel que soit son réglé. Et
là, on a entré dans l'exposition offerte pour Grand Fugit là. Je nous sors de la grande carte, c'est général Grand Fugit. On a gardé l'exposition là. L'exposition s'est réalisée par Bureau d'organisation de Grand Fugit, qui est sur Carola Gazala. C'est Bureau d'organisation de Grand Fugit. Je vais vous mettre un bon problème. Ouais, les mains vous disent, 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 les mains vous
Wow.